challenge d'aujourd'hui est la grande, moyenne, petite assiette. Ça va être très amusant. Bienvenue chez Moutidou. Ouais. Ils sont où nos friandises? On dirait qu'ils volent. C'est ça? Un tout petit œil. Mais ce n'est pas tout. Oh oh! T'as un tout petit œil? Et j'en ai bien plus grand. C'est un peu un coup de chance, n'est-ce pas? Oui, je suis la plus chanceuse de toutes. Regardez ce qui m'est tombé dessus. Vous avez déjà vu un œil comme ça? Mais tu feras pas ça. Mange ton œil. Oui, c'est si petit. Je vais le manger à une seule bouchée. Oh, je vais l'attraper. Comme ça. Maintenant, tu n'as même pas un petit œil. Et moi, j'en ai un tellement gros. T'en penses quoi? Tu peux avoir une bouchée? Quoi d'autre? Non, je vais le manger moi-même. Bébé. Yes! Comme c'est bon! Si c'est bon, donne-moi un peu. Non, ne le touche pas, c'est mon œil. Je vais juste essayer. Non, c'est à moi. Tout à fait à moi. Ah oui, tiens. Et allonge-toi sur le sol et je vais manger. Non, c'est à moi. C'est à moi. Alors, j'en étais où? Non, peut-être l'autre côté. Et alors, Kate, pourquoi tu veux pas partager toi? Non, parle. Personne ne partage avec toi. T'as déjà tout mangé. Exactement. En plus, je mangerai mon globe oculaire sans toi. Sauf que comment le faire mieux? Je m'en fiche. Je vais mâcher. Quoi? Mâcher, alors? Je pense que c'est trop loin. Elle a besoin d'aide, non? Tu n'as pas partagé un œil avec moi? Alors, il faut te sauver. Ouais, je peux voir. Regarde. Il vole encore. Oh, quel bon ami que j'ai. Oh non. Le piment, c'est pas bien. Je dirais que c'est terrible. C'est facile pour dire pour vous. Regardez l'énorme chose que j'ai. Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est gigantesque. D'accord, t'inquiète pas. Ça va aller. Sidi, commence. Oui, je vais manger ça. Regardez comment c'est facile. Ce n'est pas du tout épicé. Presque. Uh-oh. Pas épicé. Non. C'est trop épicé. Ah. Oh my god. Chaud. Je veux de l'eau. Wow. Je suis content qu'il y ait eu de l'eau. Allez, Andy. Maintenant, toi. Mais... Moi? Mais j'ai peur, je veux dire. C'est si épicé. Allez, dépêche-toi, mange. Je suis fatiguée d'attendre. Oh oh. Je pense que je vais être malade. Ah, je suis en feu. Éteignez-moi. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes là. Les pompiers, Cindy et Kate. Merci beaucoup. Sans vous, j'aurais brûlé. Très bien, Kate. Maintenant, c'est ton tour. Mange ton truc. Quoi? Mais je n'ai pas du tout de talent. Je ferais mieux d'y aller. Stop! Tu iras nulle part tant que tu n'auras pas mangé toutes ces délicieuses friandises devant toi. Très bien. D'accord, je vais essayer. C'est ça? Non. Vas-y, mange. En entier. Quoi? Pourquoi vous faites ça? Nous te martelons du piment. Tu dois le manger. Je pensais que nous étions amis. Nous sommes des amis. Et tes amis doivent se sauver eux-mêmes. Parce qu'ils veulent voir un incendie. Oui, le feu. Je vais brûler là-dedans.
Je le sens déjà. Aidez-moi. Bye bye. Au revoir, Kate. Envoie des photos depuis l'espace. Je pense qu'elle sera partie pour un bon moment. J'espère que nous aurons quelque chose de savoureux. Oui, moins de mots, plus d'action. Je le sais sans toi. C'est ça? Un burger aussi petit? Je peux le manger à une seule fois. On dirait que quelqu'un n'a pas de chance. Moins de discours, plus d'action. J'adore les burgers. J'aimerais qu'il y en ait plus. Je pense que je vais en avoir le plus. Je vais parier tout ce que j'ai sur ça. Comme je l'ai dit, sympathique. Quoi? Ce n'est pas juste. C'était censé être à moi. Ne crie pas, tu ferais mieux de me regarder manger. Quand je suis une fille soignée, une serviette de table ne serait pas trop. Je pourrais aussi utiliser une fourchette et un couteau pour couper mon burger. On peut même pas voir ce que tu coupes. En fait, une fille très élégante est en train de couper un burger tout aussi élégant. Tu ne comprends rien du tout à la culture et l'étiquette. Il suffit juste à essuyer la bouche. C'est votre tour, les amis. Non, mais c'est à moi, j'ai trop faim. Alors je vais manger ce burger si vite que possible. Je vais l'enfoncer dans ma bouche. C'est tellement bon. Oui, il faut apprendre les manières. Mais qui s'en fiche des manières? Oh, dommage que c'est trop petit. Oui, mon pauvre. C'est moi qui ai le plus de chance. C'est si lourd, je ne peux même pas le soulever. Je vais le manger comme ça. Laisse-moi le manger. Pars d'ici, c'est tout à moi. Je peux trouver un moyen de manger un burger de manière pratique et très rapide sans aide. Comme utiliser un couteau et une fourchette, par exemple. Mais c'est trop petit, je pense. C'est bon, j'ai un plus grand couteau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est petit aussi. Alors il est temps d'utiliser une tronçonneuse. Oh, ne le coupe pas. Je n'ai pas besoin de vous. Je veux mon burger. Voilà. Regardez comment c'est beau. C'est tellement plus facile et rapide à manger. Et meilleur. Et cela ne salit même pas les mains. Est-ce que tu peux partager avec nous? Mais je vous ai donné de la nourriture. Non. T'es tellement radine. Je ne suis pas radine, j'ai juste faim. Attention, je vous surveille. Non, t'es radine. Je m'en fiche comment vous m'appelez. C'est bon pour moi. Regarde ton ventre. Tu n'as pas honte de toi? Quoi? Mon ventre? Oh non, c'est horrible, sauvez-moi, quoi faire? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aller à la gym. Oh non. Tellement petit. Mais les miens ne sont pas bien plus grands. Oui, pas de chance pour vous. Mes frites sont gigantesques. Assez pour une armée. Encore moins pour Kate. Laissez-moi tranquille. C'est plus petit, mais c'est plus bon. Avant de manger, je dois étudier l'apparence. Les frites sont petites, mais on peut quand même les manger avec des pincettes. En fait, ces frites sont très savoureuses. Si j'en avais beaucoup, elles seraient tout ce que je pourrais manger. Mais je n'en peux plus. C'est dommage. Mais j'en ai moins. Pourquoi ne pas partager avec la dame? Please. Moi? Non. No. Je ne donne pas mes friandises à n'importe qui. Alors tu ne veux pas partager? Eh bien c'est bon, je vais te donner une leçon. J'ai une idée. Awesome. Je pense que t'aimes des frites au ketchup. Regarde Andy, laisse-moi te donner du ketchup. Ça aura meilleur goût. Vas-y.
Là. Je ne regrette rien. Okay. Here we go. Voyons comment tu aimes les frites avec du tabasco extra épicé. Et tu manges, mange. Ne te laisse pas distraire. Comme c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si épicé? Je pense qu'il est vraiment malade. Il va brûler l'endroit. Nous avons besoin d'eau, beaucoup d'eau. Un seau sera parfait. Eh bien, merci. Sans toi, j'aurais brûlé. Allez. Mais non, t'as mouillé toutes mes frites. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je t'ai sauvé la vie et tu me parles des frites? Ne vous jurez pas, vous feriez mieux de me regarder manger. Oui, c'est énorme. Tu ne peux pas manger plus d'un. J'ai besoin de ça. Vas-y. Et on va manger tes frites. Non, c'est à moi. Je peux pas manger comme ça. Alors je dois le faire plus petit. Plus c'est petit, mieux c'est. What? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Un bol géant, il y a des frites. Et au fait, je l'ai fait. Regardez comme c'est beau. Regardez combien de frites j'ai eu. Et c'est tout aussi savoureux. Si frais. Nous en aurons lancé aussi. Je vous ai dit de ne pas toucher à ma nourriture. Je pense qu'il est temps de revenir à la méthode éprouvée. Le tabasco en aurait bien besoin. Mettons-le sur le visage. Laisse-le souffrir. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est chaud. Le visage brûle. Vas-y, cours. Nous allons nous occuper de tes frites pendant ce temps. Espérons qu'il y a quelque chose de savoureux qui nous attend. Kate, vérifie. What? Ne rigolez pas. Je peux défendre mon beignet. Maintenant, je veux voir. Je me demande quelle est la taille de mon beignet. J'aime bien. C'est magnifique et je parie que c'est délicieux. Il y a un drôle de trou de la taille de mon œil. On peut lui faire un trou très drôle. Oh, ça fait mal. Ouch. Ouvre ta cloche. Avec plaisir. Je ne comprends pas. Où est le beignet? Oh, waouh. On pourrait nourrir un éléphant avec un tel beignet. On pourrait mettre ta tête dans ce trou. Oui, mon beignet est un bébé comparé à ça. Mais ça ne le rend pas plus mauvais pour autant. C'est tout aussi délicieux. C'est tellement bon. Ah, tu m'as mordu le doigt. Parce que je t'ai distraite par Andy. Maintenant, c'est votre tour. Okay. Yeah, maintenant, je peux manger. Je vais faire vite. Tu manges comme un chien affamé. Parce que j'ai aussi faim qu'un chien. Si t'as fini, c'est aussi mon tour. J'ai un énorme beignet. Mais je le mangerai aussi vite que tu mangeras le tien. Tu peux manger l'extérieur aussi bien que l'intérieur. Oh, c'est bizarre, ma tête ne veut pas sortir. Je crois que je suis coincée. J'ai besoin d'aide. Help! Uh-oh! Quoi? De l'aide? What? T'inquiète pas, nous allons t'aider. Okay. Oui, nous le ferons. Enlevez ça! Arrêtez de manger. Non, ça ne s'arrêtera jamais. Ils vont tout manger. J'ai besoin d'en avoir. Vous m'avez sauvé. Thanks. On t'a sauvé? Et on a bien mangé aussi. Brocoli, c'est dégoûtant. Je suis d'accord. J'en ai d'autres aussi. Toi, t'en as beaucoup. T'as vu comment mon truc est grand? C'est gigantesque. On peut même pas le mesurer avec les mains. Oh non! Ne te plains pas. Quand tu te plains, je peux manger mon brocoli. Oh, j'espère que je vais y arriver. Ce
cela a même l'air dégoûtant. C'est le cas, c'est horrible. Mais maintenant, c'est à votre tour de manger. Oui, c'est le tour de Kate, bon appétit. Moi? Bon d'accord, je vais essayer. J'espère que c'est au moins tolérable. Oh non, on peut même pas le tenir dans la bouche. Je ne vais pas le manger. Si tu veux pas le manger, nous t'y forcerons. Alors ne nous oblige pas à le faire. D'accord, donne-le-moi. Allons-y. Oh, horrible. L'horreur, je ne peux pas manger. Allez, allez, il y en a d'autres à venir. Si tu continues à faire preuve d'intelligence, tu finiras par tout manger toi-même. Cauchemar. Oh, dommage pour elle. Oui, comment vous pouvez le voir, j'ai tout fini. Allez, Andy, maintenant tu me montres comment manger tout ça. Ou moi, non. Maintenant, je vais vous montrer de la vraie classe. Très bien, je suis prêt. Vas-y, vas-y, vas-y. Mange, 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 mange. On croit en toi. Vas-y. Allez, allez. Je me croyais en toi, Andy. Je suis content, mais je ne veux pas en avoir plus en moi. Je me sens déjà très mal. Je pense que je dois aller à la salle de bain. Ah non, c'est juste des gaz. Oh my god! C'est encore pire! Quelle odeur! Oui, l'odeur n'est pas très bon. Je pense que ça me touche. Ah, je tombe! Oups! Si tu veux encore plus de vidéos cool, alors reste avec Multidoo. C'est toujours très amusant.